Les cris de détresse retentissent çà et là depuis la découverte de 5 personnes retrouvées mortes dans une chambre au Katingodi, dans la ville de Loum. Laurentine et ses 4 enfants auraient été empoisonnés. Selon le voisinage, elle a reçu la visite d'un couple non identifié dans la matinée du samedi 23 septembre 2023 aux environs de 11h. Le drame serait survenu après que les victimes aient consommé de la banane malassée, un repas apporté par les visiteurs. Ils sont restés ensemble jusqu'au soir où la dame est allée les accompagner et ils sont rentrés se coucher. C'est dimanche donc matin. Comme d'habitude, le matin, les enfants sortent, ils marchent, ils n'ont pas vu de mouvement. Ils se sont dit, ah bon, peut-être ils se sont levés tôt et allés à l'église, parce que c'est des nouveaux locataires, on ne connaît pas encore leurs habitudes. D'après les médecins, il s'agirait d'un empoisonnement tel que relevé sur les certificats de genre de mort. On constatait des ventres ballonnés, des épistasies, et puis les positions là que les enfants avaient traduisaient une notion de douleur. Voilà. Mais maintenant, dans ce contexte-là, avec tous ces enfants qui sont décédés tous au même moment. L'enquête ouverte permettra certainement d'identifier le couple de la visite afin de savoir s'il est responsable ou non de cette mort.